Durant toute sa vie, Pierrot habitait chez ses parents. Il ne se préoccupait pas alors d'une solitude qui finirait bien par arriver. Même l'idée ne lui en était jamais parvenue. Après leurs décès successifs, il demeura encore quelques années dans leur logis, puis finit par déménager dans une autre maison. Les années passant, la solitude semblait ne pas trop lui peser. Un jour, la mairie fit une enquête. Elle étudiait l'éventuelle nécessité de construire des résidences pour personnes âgées. Il n'y répondit pas. Il ne se sentait pas concerné, du moins le pensait-il pour le moment. Alors, il y a un moment quand même que... Oui. Oui. Il y en a 90 ans aussi. Ils se portent bien aussi. C'est sûr, hein. Même plus qu'à 80... Il y en a plus qu'à 98 ans, là, ben... On les en très bon état encore. Mais... C'est des risques, c'est ça. Oh bah oui, quand j'ai 18 ans, je suis seul normalement, c'est rare qu'il est à la maison quand même, tout seul. Non. Oui, mais il peut quand même se porter quand même, à peu près, il se porte quand même. Ah oui. Ah ben seul... Ça peut aller jusqu'à 90 ans, il y en a, ils sont pas seuls, ils sont à la maison, hein. Ah ben oui. Ah ben il y avait des choses qui jouent là-dedans, hein, c'est sûr. Mais oui. Madame, oui. On verra bien un jour, on verra bien comment ça se marcher après, mais. Tant qu'on peut rester à la maison toujours, on reste à la maison. Oui. Ah ben oui. Ça sert à rien de changer, aller dans un autre machin autrement qu'à plus. C'est pareil que tu vas dans le machin pour marcher de la même façon qu'ici, la maison, hein, c'est pareil. Quand tu arrives à tout faire dans la maison, aussi bon rester là. Ça sert à rien de décamper avant. Hein. Faut vraiment plus pouvoir rien faire. En ce moment-là, tu ne peux plus t'habiller. Tu peux plus te mettre à manger ou n'importe qui, tu peux plus. T'as des difficultés de toute catégorie. Eh ben, en ce moment-là, ben, il vaut mieux passer dans une maison, pas dans un hôpital, mais dans des maisons de machin comme ça, oui, comme à Serran qui vont faire n'importe quoi là. Serran ou ailleurs, mais il n'y a pas d'importance, mais. Mais tant que tu peux quand même faire. Ta nécessité dans la maison, c'est le moment de dire, c'est de rester là. C'est ce qui conseille tout le monde. Tu demandes à l'un, tu demandes à l'autre, reste dans la maison tant que tu peux faire toutes les affaires. Si tu as besoin de dépannage, on est là. Et puis, comme il y a de, tant que tu peux t'habiller, tant que tu peux tout, machine comme ça, ne cherche pas aller dans un machin comme ça. Ne fais pas aller dans des trucs comme ça. Ça s'invite assez quand tu pourras plus. Ben dis oui, c'est ce qu'il faut faire. Ben oui, dis. C'est ça, ben oui, dis. Quand ça donne. Oui. Même tu peux connaître 10 ans comme ça, 10 ans même, c'est bon. Mais si c'est 4-5 ans encore comme ça, c'est encore 4-5 ans, tu verras bien, mais. Mais t'as toutes tes idées, t'as tout comme il y a de. T'es intelligent comme n'importe quoi, comme tu comprends aussi bien comme les autres. T'es pas fou, comme il dit, comme, oh, comme t'es malin. Comme il dit, ben oui, mais c'est malin, oh, pas plus malin qu'un autre, mais, oh, tu te débrouilles bien comme, t'es pas con, il t'a dit ça. T'es pas con. Non, je dis, oh, si c'est con, c'est pas la tête de n'importe quoi, oui, mais, dis, je dis, c'est comme un autre, mais quand même,
Mais oui, mais comment dire donc? S'il y en a qui disent ça, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Parce qu'il ne faut pas jamais écouter tout le monde. C'est-à-dire ça aussi, il ne faut jamais écouter tout le monde. Il y en a qui vont dire des idées sans son contraire. On dit oui, mais je les comprends. Dit, ceux qui ont des idées sans contraire, je les vois bien qu'ils vont les vois bien venir. Alors, oui, bien sûr, oui, t'es intelligent même. Oui. Mais oui, mais. Je comprends. Non, dans ces maisons-là, faut pas aller trop vite non plus, il faut savoir quand on a besoin. C'est pas parce qu'on est tout seul comme ça qu'il faut aller là-bas directement. Hein. C'est pas d'obligation du tien. Oh, il est tout seul. Ah, bah oui, bah, il est bien mieux là-bas. Ah, bah oui, la maison là-bas, oui, tout seul. Oh. Comment qu'il mange, comment qu'il. Oui, c'est ça, comment il fait à manger là-dedans. Comment il se débrouille. Il y en a aussi qui sont. Aussi, ils se demandent comment ça se fait qu'ils se débrouillent comme ça. Ils sont quand même pas. Un peu jaloux de ça. Il y en a, c'est mon de dire. Mais non, faut pas écouter ces gars-là, il non. Quand on est bien, on reste bien. Mais oui. De la peine, quand même. La compagnie, d'accord, mais on est de la compagnie ici de temps en temps, quand même. Oui, c'est pas la question, ça. Bon, bien sûr, continuellement, quand tu vis à deux, bien sûr. Ah, ben, c'est idéal, hein? C'est idéal. Hein, oui, mais oui, je cherche, mais ça vient pas. Je chercherai. Pas plus que ça, parce que s'il faut le chercher vraiment quand même, peut-être que ça vient le plus vite. Mais c'est ça qu'il faudrait, justement. Une compagnie comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faudrait, c'est bien l'affaire. Ce qui s'allonge ensemble. Et oui. Mais pour s'il faut aussi pour Internet, il faut regarder ça aussi là-dessus, si y a des trucs. Oui, il y en a sûrement. Il n'y a pas dans le village ici, mais non. Non. Des annonces, je regarde ça sur les annonces, mais je prends des annonces aussi, mais je les vois pas toutes. Sur tous les journaux, je vais prendre des journaux, vraiment le journal d'annonces, peut-être dessus que je verrai ça, mais. Pour étudier ça. Même si dans la commune, il peut se trouver des veuves aussi, des rencontres, oui, on ne sait pas, mais enfin. À deux, ça serait mieux. Ben oui, ça serait mieux. Ça serait mieux, c'est ça qu'on cherche, mais. Et aussi, ça s'appelle une belle petite maison aussi, ça serait bien, comme il y a un autre là-dedans, ben, c'est impeccable.
C'est bien avant qu'ils fassent penser à dire, on est le gamin. Les parents ne vont pas toujours les dames. Et puis un jour là, tu te trouveras tout seul. C'est ça. S'il y a des parents, s'il y a, bah oui, on verra bien. Et je me débrouillerai comme je pourrai. Ah bah oui, mais. Oui, bien sûr, tu te débrouilles comme tu pourrais, comme oui, mais. Ben oui, mais c'est le cas. Ben oui. Ben c'est bien beau quand tu es célibataire, comme ça, dit, tiens, c'est belle vie. Oh, on n'est pas tranquille, ben oui, mais. Tu passes ton temps comme ça, puis tu vieillis, puis après, ben, tu trouves plus facilement. Ben non. Un coup là, si j'avais voulu, je sais pas qui, ben non. Tu viens pas. Oh, ça fallait comment à la boule, là. Donc, de Nantes. Ah, madame, c'est alors, elle avait 2 ans de plus vieille que moi. Ah ben, ça, oui, ça marchait, ça devait partir, hein. Je m'en vais, comme dit d'ici, monsieur de Serran, oui. Je vais à la boule, là-bas. Si tu veux venir, tu viens ou alors tu restes chez toi. Hein? Oh oui, tu es copain chez moi aussi. Je n'ai pas envie non plus de voyager comme ça non plus à 25 années non plus. Hein? De 25 ans, peut-être dans là, oui. Oh non, ah ben non. Bon ben, tu fais comme tu veux. Ben oui, mais tu vas faire comme je veux, oui. Il n'a pas comment dire. Oh non, non, non. Non, que je dis quoi tout le temps, ouais, comme un con. Non, non. Ben. Il a fallu le bon. Oui, il savait pas non, oui, mais. Ah, ben, dit, c'est comme ça, dit. Je m'en vais d'ici, oui, hein, dit. Oh, t'as pas comme nous, tu te ben. Ah, ben. Pas du tout, c'est quand même d'ici, on va dire pas le voir. Ben oui, même d'ici. Oh, là, non, on dit. Je ne sais pas d'ici de là, quoi. Non. Comme un con. Oh, comme un con. Oui, je me fais d'aller quand même, parce que ça marche bien, hein. C'est raté une occasion. C'est raté une occasion quand même un peu bête, quoi. Hein? Bah oui, mais j'ai 76 ans, c'est-à-dire 78 hier cette année, tu vois. 2 ans plus vieux que moi. Quoi, mais 2 ans devant moi, quoi. Bonne fille, hein? Ah oui, madame là. Oh, t'es revenu à Sévran comme d'un coup, là, comme un. Chaque année après. Je l'ai aperçu dans le bourg. T'es toujours pas d'accord? Oh, pas plus que ça, donc. Dis, ben oui, mais dis. Ben, je vais pas revenir ici. Je vais pas revenir à Sévran. Dis, je serai pas maintenant, je me dis, je vais pas. Si j'avais venu à Sérance, si on veut, mais pas pour rester bâtir comme ça. Oh, viens donc, c'est moi plutôt du tout. Oh, dame, non, à Sérance, c'est pas. Non. Ben, dis, la boule, la boîte, et puis c'est deux, hein. Dis seulement, dis, pas le même. C'est pas le même. Dis seulement que la boîte. Ben oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement d'aller là-bas non plus. Dis, tu veux du travail là-bas aussi? C'est quoi l'embêtant, dis. Si tu veux qu'après, je t'embauche dans la l'ONF, là, dis, l'ONF, il n'y a pas de bois, au milieu de l'Europe. Tu te rends compte, dis, d'ici, moi, s'il faut aller jusqu'à la boule, là-bas, combien de sommes le soir? Tu fais dire, on est à Camor, là-bas, combien de ben, Rennes, ou n'importe où, dis. Alors, ça fait du trajet aussi, hein. Ben oui, c'est sûr. Ah, bah ben oui. Oh non, on dit, c'est pas commode. J'ai dit, il faut tous les matins, il faut que je vais à Camor. Et
Avant, c'était Cohébi, mais c'était pas loin, c'était de côté de Taillon, hein, ben, oui, à côté de Taillon, là. Il y a 5, 6, 7, 8, 10 kilomètres. Ah oui, 10, quoi. 9 kilomètres de déboulière, mais. J'étais à un bon moment-là, mais après, il fallait déménager, il fallait aller à Cabourg. Après, il faut que j'aille à Lorient. Fallait pas plus loin. Lorient, bon, retourne à Rennes. Oh, bah oui, mais nous, des machins comme ça, tu vois, hein, des boîtes comme ça, c'est pas facile, hein, parce que ça passe d'une machin à l'autre, au milieu des forêts. La forêt de Rennes, la forêt de Cabourg, la forêt de Berlay, dans le Finistère. Dans le Finistère aussi. Hein. Pas sur le marché, oui, dans le Finistère. Hein. Ben, non. Ah, oui, mais tout ça, ça. Non, non, ça ne m'arrangerait pas. Ben, je n'ai pas choisi un autre métier non plus, mais. C'est pas ce métier que j'ai le plus là-dedans, mais je sais pas, mais. Oh, j'aurais pu choisir peut-être un autre machin, oui. Ben. Oui, je me fin de ça avec ça, comme ça, oui. Ben oui, on est resté comme ça, et puis finalement, ben. Toujours comme ça, les années passent, 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 et puis. On est resté là quand même tout le temps pareil comme ça, oui. Oui. Oui, c'est ça. Il y a quoi ça? C'est ça, il y a des pires que ça, quand les pires que ça. Il y en a qui sont dans un coin où il n'y a personne. C'est des maisons, bon, ben, à bout de. Il n'y a pas de voisins ni rien à côté, sans doute, hein? Mais non. Ah ben là, quand t'as pas de voisins autour, c'est pas intéressant non plus, hein? Ah ben non. Oh non. Oh ben non. T'es dans une maison que t'as rien autour, disons, ben. Tu tombes là où t'es malade ou t'as un machin n'importe qui, ben, t'as personne quand même pour le. Oh non, non, non. C'est pas plus dans non plus, hein. Non. Dans un village, c'est pas pareil quand t'es plusieurs comme ça, ou n'importe, c'est pas pareil quoi. Même si, quand t'es tout seul, c'est dangereux aussi, il faut dire. C'est toujours dangereux, mais. Ben. Ah oui, il y en a qui vont me le gosse pareil, mais ils vont pas savoir comment. Les teintes ou ben n'importe quoi, non? Non, 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 oui, ben ça les oublie. Oh oui, ben il y en a qui perdent le chapeau, comme on dit, ils perdent la tête. Hein. Mais tant que tu perds pas ça, tout est bon. C'est celle-là qui commande tout, hein? Eh oui, c'est la tête. Si tu as toutes tes idées à faire, tu sais ce que tu veux faire. Ben, il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir, combien de faut avoir une bonne tête. Ah, une bonne retenue. Faut rien oublier, hein. Quand on est seul, il m'a dit, ben oui, t'échappes quelque chose, il n'y a pas personne qui va te relever à la place. Hein. Faut que tu te plies, faut que tu relèves ce qui est tombé. Hein. Ah, mais j'ai oublié aussi, j'oublie ça. Ben, faut que tu retournes. Faut réfléchir là-dedans, pareil, c'est celle-là, hein? Faut bien un sacre mémoire. Ouais, mémoire, hein? Pour tenir comme ça, c'est pas croyable. Oh. Il y en a qui se demandent comment tu peux réussir comme ça. Bah, dis, j'ai une bonne tête. Bonne idée, dame. Dis, une fois que c'est là-dedans. Bonne idée ou mauvaise idée, mais. Mes idées, une fois qu'ils sont dedans, que ça plaît à chacun ou que ça plaît pas, ils sont comme ça. Hein. Ah, apprendre où aller seul, c'est yon. Si le client n'est pas content, il s'en va. Et puis, il en prend une idée, ça.
Elle me dit si ça plaît, bon, si ça plaît pas, elle me dit qu'il dégage. Elle me dit, mais c'est comme ça, c'est faut pas me prendre par deux endroits, hein. C'est comme ça. C'est comme une route qui n'a pas de virage. C'est une route qui est directe. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de tournant. Hein. Il dit, on est droite. Hein. La route est droite. Hein. Il ne faut pas. Celui qui essaye de me détourner, dit, je le vois venir. Dit, il y en a que je suis longtemps sans. Je ne m'aperçois pas, mais une fois que je commence à m'apercevoir de ça aussi, ben. Oh, dit oui. Ah oui, la frangine est maligne aussi, bien sûr, mais pas comme moi, quoi. Ou non. Les plus intelligents. La plus forte instruction de moi, peut-être sans doute. Mais plus question d'être plus intelligente, on n'a pas plus de. Je ne sais pas, quoi. Hein. Ou non. Apparemment, celui qui est capable de. Celui qui arrive à faire seul, comme je dis, des trucs comme ça, si qu'il est capable. Bon, oui, il est capable pour moi. Il y a certaines choses, bien sûr, si on n'est pas capable, ben. Il y a des choses que c'est plus difficile, comme quand on ne comprend pas, hein. Faut bien se dépanner, je crois, bien sûr, hein. Parce que maintenant, avec des papiers, tout ça, des trucs comme ça, ben, c'est pas toujours facile non plus pour. Pour toute chose. Mais. Parce qu'avant, il n'y a pas de machin comme ça, donc il n'y a pas de temps de. Oui, mais maintenant, il y a. Oh, c'est de la vie à changer aussi, il faut dire. Mais. Quand même, hein. Oh là là, oui, c'est. Pas tant que là.